Cette exposition immersive permet de mieux comprendre qui est l'artiste, quelle est sa démarche, d'où il vient et pourquoi il est arrivé à ces voyageurs. Bruno Catano, c'est un homme qui est en immersion totale avec son monde. Quelque chose de différent, essayer de montrer un peu les dessous de ma création artistique. Donc on m'a montré mes scans, les plâtres. En bas, nous avons le côté intime, donc l'installation personnelle de mon atelier, mes originaux, les plâtres. Au rez-de-chaussée, c'est vraiment les sculptures finales, donc comment les sculptures sont présentées en public. Et en haut, c'est plus une immersion. Et derrière, il y a un film qui passe, donc les sculptures deviennent acteurs de ce film. Et puis aussi, il y a le coin des marbres, quoi. Non finito. Le drapage, c'est ce que je fais tous les soirs en mettant un chiffon mouillé sur mes sculptures. Et je me suis demandé pourquoi pas en faire une sculpture finie. Là, c'est le coin végétal, c'est un peu le cimetière de mes sculptures. À la maison, j'ai un cimetière de sculptures, il est au fond du jardin, comme ça. De sculptures à terre qui n'ont pas d'importance, mais qui ont quand même un sens. Bruno Catalano est un artiste en immersion dans notre monde, dans notre temps, dans cette période difficile, trouble, avec des gens qui viennent de tout horizon. Qui de nous vit au milieu de ces pauvres gens déracinés, qui ont souvent tout quitté dans l'espoir d'un monde meilleur? Et Bruno Catano est un artiste qui est là pour eux. Il va s'immerger régulièrement au milieu d'eux pour en sortir une forme de quintessence, pour leur donner un espoir,